Alors les joueurs de Cholet, on connaît, hein, c'est leur technicité, leur vivacité, leur vitesse qui fait la différence. On le voit là, notamment avec Ryan Tête, sa vitesse. Regardez Ryan Tête. Ah, c'est bien fait avec Ludo Karsh qui met à la cache-cache. Oh, le rebond. Beaucoup de Canadiens, beaucoup d'étrangers. Hein, ouais, 8 joueurs canadiens, hein, c'est exclusivement des joueurs canadiens. Oh, attention à ce 2 contre 1 avec Jonathan Janet. Oh, shoot. Oh, ma dieu de paille. Eric Lamet, justement, hein, 2 minutes sur ce coup de crosse. C'est vrai qu'on était bien placé Arnaud pour le voir, mais... Allez, engagement gagné par les Dogs de Cholet. Oh, Charlie Dog qui a pas bien compris là avec Ryan Ted, mais attention, entrée de zone. Mathieu Ayotte, le shoot à glace. Allez, Mathieu Ayotte associé à Chamberlain. Ouais, on s'est bien fait cette petite passe derrière. Oh, encore un arrêt de Mathieu de Pagnon. Ouais, Max Wynn, le gros shoot. Oh, qui cherchait devant la cage Félix Chamberlain, le meilleur pointeur des Bisons. Encore un arrêt de Mathieu de Pagnon. Meilleure entrée en matière là pour les Bisons. Ils sont plus dangereux que Cholet pour l'instant. Ouais, pour l'instant on voit, hein, c'est les Bisons là qui... Et des petites erreurs individuelles du côté des Dogs. Là, on voit Ryan Tête là qui est un peu excédé. Mais voilà, c'est... Attention, là, il y a un peu de... Oh, les voilà. Et ben voilà. On est puni tout de suite. C'était le quatrième, voilà. Il ne faudrait pas reproduire les deux premières périodes contre les Corsaires de Nantes. Mais contre Dunkerque, ça avait été difficile. Hein. On avait encaissé deux buts assez rapidement. On avait réussi à revenir, on va voir. Ouais, le rêve. Pour un temps d'adaptation, on retrouve cette efficacité que nous avions en powerplay. Donc, à voir, est-ce qu'il y a des ajustements? Pour l'instant, je vois que le 5 de départ, le Ludo Karsh avec Jérémy Alouette-Queux qui prend un shoot contré. Oh, il y a Ryan Tête! Ah, c'est bien fait de la part de Neuilly. Attention, Jonathan Janet. Oh, qui met un bon shoot. Bel arrêt de Mathieu de Pagnon, ouais. Allez, Baptiste Couturier. Oh, charge dans le dos, là. Alouette-Queux qui patiente. Jérémy Alouette-Queux. Qui cherchait la lucarne de Dupuis. Allez, Jérémy Alouette-Queux, allez, Ludo Karsh avec Salerno. Bon, c'est bien fait ça, pour Jérémy côté, le one-timer. Oh, dommage. Allez, 20 secondes à 5 contre 3. Salerno. Oh, quel arrêt de Dupuis. Je m'en gagnais là, justement, par les Bisons, mais c'est bien récupéré par Ryan Tête. Allez, Salerno. Alouette-Queux avec Salerno. Ça cherche un deuxième poteau, magnifique. Ouh là là, Jérémy. Ouais, c'est Bellarfi là qui va rentrer. Du côté de Neuilly, avec Gauthier Gibert, à qui patiente, Martin Borowski. Gauthier Gibert qui met un one-timer, ouais, c'était un petit peu... Allez, encore une minute. Allez. Allez, mise en jeu remportée par Cholet. Allez, Geoffrey Couba, on sait qu'il a un gros shoot. Oh, Jean-Marc, les mecs. Oh, on l'avait dit! Gros shoot de Geoffrey Couba! Oh, t'es Laure Dupuis qui avait fait l'arrêt, mais... Chamberlain. Ouais, bonne charge, là, de Louis Seignier sur Chamberlain. Et bel arrêt de Mathieu de Pagnon. Très joli geste. En revers. Zuitac. Ouais, qui sort ce palais. Avec Pierre Peltro. Attention, c'est bien fait. Oh, et voici le deuxième but, et oui, c'est superbement bien fait de la part. Allez, désolé, il devait y avoir une petite erreur technique, je crois. Ouais, en espérant que le micro remarche du côté d'Arnaud. Oui. Allez, Jérémy Côté. Oh, attention, tout seul devant la cage. Oh, dommage. C'était Ludo. Sur une belle contre-attaque. Alors, engagement gagné. Par Neuilly avec Dana à la bleue. À Baptiste Bruch qui met directement sur. Allez, Baptiste Bruch. Allez, Dana. De l'autre côté, on voit Jonathan Janet pour le one timer. Voilà, mauvaise passe de Dana, dommage. Associé à Val. Ok, ça patine. D'un but à l'autre. Ouais, ça va vite là. C'est Jason Murray. Allez, pour Guillaume Maxwin, attention avec Guillaume Maxwin à la bleue, hein. Gros shoot. Ouais, gros shoot, oh, cette passe. Gros shoot, gros gabarit. Ouais, c'est un dinosaure à la bleue, là. Patrick Chamberlain, deuxième poteau, attention, et voilà le but. Ouais, c'était visible d'ici avec Mathieu Ayotte, les deux Québécois qui se connaissent. Donc ça tourne vraiment bien. Ça commence à aller mieux, en tout cas ici à Cholet, ça va plutôt très très bien. Oui. À 10 minutes 50 dans la première période. Ah, que des erreurs encore, Martin Borowski, attention avec les lamplaires, là.
C'était limite Arnaud. Allez, Jérémy Alouette, qui est patient et qui garde ce palais. Allez, c'est bien. Ouais, c'est bien fait, Jérémy. Oh, c'est magnifique ce move de Jérémy Alouette. Ouh, c'est Kier, souviens-toi aussi, contre Nantes, souviens-toi, contre tout le monde. Et voilà. Allez, ça c'est bien fait, ça, avec Ryan Tête. Allez, la vitesse, elle a 3 contre 2, entrée zone, Ryan Tête qui met directement. Ouh, le. Ça, lui, bien. Ah, c'est une superbe sortie, ça. Ludo Kier, c'est un 2 contre 2. Ça, ah, le petit Pierre Pectro avec. Ah, Geoffrey Couva, le buteur de galère. Ouh, Geoffrey Couva pour le doublé, dommage. Oh, bon shoot, Jack. Allez, à 3 minutes 13 du terme du tiers. Allez, Dana pour la relance du côté des bidons. Oh, c'est bien fait ça, magnifique ça. Ouais, Jérémy Alouette que. Ouais, toujours Jérémy Alouette que, ouais, qui patiente, c'est bien fait aussi. Il repart. Ah ouais, quelle patience de Jérémy Alouette que et quelle technique. Très fort ce soir. Allez, vraiment, ouais, Jérémy Alouette que, j'aimerais bien qu'il finisse ce dommage. L'engagement gagné là, avec Ryan Tête. Allez, Ryan Tête là, il va falloir maintenant. On n'y arrive pas, c'est forcé. Du côté de Ryan Tête. Allez, à Louis Seignier, à la bleue avec Martin Bourovski. Martin qui cherche le décalage, qui cherche devant la cage. Et là du côté des autres matchs, Arnaud. Mais au niveau de le gros match qui concerne notre poule, Strasbourg-Marseille. À Strasbourg, Marseille mène 1-0 pour l'instant. Et Nantes a égalisé quand Nantes peut-être eux pas à une opposition aussi forte, une entame de match aussi solide de la part de Neuilly, donc ouais, peut-être un peu de surprise, les choses vont peut-être s'installer un peu là dans le deuxième tiers. De montrer ce qu'ils savent faire. Ah, un 2 contre 1 joué. Ah, c'est bien fait ça. Pierre Pétro qui patiente qui cherche de maintenant. Martin Rabos qui est tout seul. Ouh, que c'était bien. C'est bien. Et Baptiste Bruch, ça qui dit maintenant sur Chamberlain avec Mathieu Ayotte. Bien récupéré par Baptiste Couturier sur Ryan Tête. Allez, la vitesse, Ryan Tête. En entrée de zone. Ryan Tête qui cherche. Oh, c'est bien fait ça. Allez. Encore. Et Baptiste Bruch qui se met devant le shoot de Charlie Doyle et qui protège son gardien, Taylor Dupuis. Ah, ça, c'est des joueurs, Arnaud, hein, Jeannette, Chamberlain, Mathieu Ayotte, là, on le voit avec Jared Cup ici, c'est le défenseur. Fort. Attention, ça peut faire la différence. Oh, bonne charge. Allez, c'est bon. Allez, côté Gibert en vitesse. Côté Gibert. Allez, va tenter tout seul. Il est tout seul, là, mais il patiente bien. Oh, quelle belle passe pour Louis Seignier. Pour Geoffrey Couva, là, pour le deuxième. Oh, belle arme. Ah, va falloir aller chercher. Les 5 premières minutes sont intéressantes. Va falloir aller chercher cette victoire, Arnaud. Ah, oui. Mais on sent dans tous les cas Mathieu Frécon qui travaille de sape, qui met des charges, qui montre l'exemple. Voilà. Ah, c'est bien fait ça. Et côté Gibert, allez, 2 contre 2 avec Alex Boucher. Et côté Gibert, shoot est contre. Dans les 12 minutes qui nous restent sur ce tiers. Parce qu'après, ça va être difficile. Bien joué, Jérémy Hedke. Oh là là! Et Chamberlain encore, hein. Oh, attention, ouais, Mathieu Depagnon. Ouais. De... Avant-dernière au classement avec une seule victoire au pénalty. En tout cas, pour l'instant, elle nous fait une excellente impression. Tout à fait. Et là, voilà, ça ressort très bien à chaque fois. Ouais, allez, Bellarfi qui va beaucoup chercher au deuxième poteau. Flo B. Allez, les gars. Allez, par contre, là, il y a un 3 contre 1. Oh, Boucher, là! Ça y est! Magnifique passe de Mathieu Frécon! Très beau! Le capitaine! Tout est faisable. Exactement. Pour Cholet. Allez, engagement gagné là. Baptiste Bruch, on voit la technique. Oh, Baptiste Bruch qui fait son petit cinéma. Oh, l'arrêt de Mathieu de Bruch. Baptiste Bruch. Ouais, belle passe de Baptiste Bruch pour Dana. Dana qui prend le shoot. Oh, à côté. Très précis, Baptiste Bruch, on sent vraiment. Ouais, Baptiste Bruch qui s'amuse, hein, toujours pareil. Baptiste Bruch. Oh, Baptiste Bruch. Brandon Salerno, ouais, c'est bien fait ça. Avec Ludo Kier et Jérémy Alouette en entrée de zone. Le Vecque qui patiente toujours. C'est bien fait ça. Oh, attention. Bien joué. Jason Murray en entrée de zone. Qui cherche au deuxième poteau. Ouais. Dommage. Ryan Tête, la vitesse. Il prend quand même un shoot. Mais c'est facile ça pour Taylor Dupuis. Shoot d'angle. Allez, Ryan. Oh, Bellarfi. Ouais, voilà, Madame Picavé qui siffle. Oh, attends, Jordi qui apprend de. Ouh, quel. Oh,
Oh là là, oh, superbe. Oh, très super, bien défendu. C'est Martin Borowski là sur très la bleue, défendu, là, superbement bien défendu, ouais. Ah, déjà tout à l'heure, il avait sauvé le 2 contre 1 là. Attention par contre là, Jason Murray. Oh le magnifique. Entrée en Justin Murray directement, Luc. Et attention. Ouais. Alors, on est vraiment pressé très haut. Hein. Ouais. Et Udo Karch, c'est directement là, c'est bien fait sur Gauthier Gibert, est-ce qu'il prend le shoot? Non, il patiente. Bien fait, ça, Gauthier Gibert. Oh, c'était dommage. Bien très bien essayé. Tenté la déviation. Ouais, avec Ludo Karch, cette petite déviation devant la cage. Gauthier Gibert devant la cage. Ah. Oh, attention encore, Jérémy. On est bien, on est sur une bonne série là. Ouais, c'est allez. Pas mal là. En tout cas, le chiffre là est excellent du côté des Dogs. Geoffrey Kouba qui continue à garder ce palais. Allez, Geoffrey Kouba qui va jouer avec Martin Borowski qui sort devant la cage. Oh, c'était bien essayé. Oh, et puis là, ça se chahute devant la cage, qui se joue de tout le monde et qui gagne du temps encore et qui va jouer avec. Oh là là. Et Ludo Karcha, c'est bien fait. Et on va appeler 2 minutes. Non, il y avait 2 minutes pourtant. Madame Picavet sur ses petites fautes. Sur Ludo Karcha, toujours est-il que les Scholtais là, qui prennent un shoot. Oh, Jérémy Côté, oh, c'est bien fait ça. Allez, Jérémy Alec, on est à 2 contre 2 avec Brandon Salerno. Oh, bien joué de la part du défenseur sur Jérémy Alouette-Que, et ça repart vite dans le gratin. Oh, attention. Et c'est Jonathan qui arrive de se mettre les maillots. Quel arrêt. Mathieu Despagnaux, quel arrêt sur Jonathan Janet, mais c'est pas fini. Oh, encore un arrêt. Les bisons apparemment ne sont pas rassasiés. Non, exactement, alors 2 contre 2 avec Brandon Salerno devant la cage. Brandon Salerno tout seul. Oh, qui cherchait le gardien. Taylor Dupuis qui était parti au pâquerette. Et là, Baptiste Bruch, 2 contre 1 avec Mathieu Ayotte. Baptiste Bruch, oh là là, Mathieu Ayotte qui loupe. Voilà, 3 buts d'écart. Espérons que Cholet puisse revenir au score assez vite pour retrouver de la confiance et finir le match fort. Ouais, attention à l'Allemand là. Ouais, encore un shoot là. Il y en a toujours un qui est déçu. Neuilly est en train de trouver offensivement les clés. Ouais, et qui gêne énormément cette équipe des Dogs ce soir. Guillaume Maxwin, attention, Guillaume Maxwin qui met son shoot. Oh là là, j'ai cru que c'était Maxwin. Avec Guillaume Maxwin qui se pose pas de questions. Hein. Non. C'est soit un slap shot, soit un gros lancer balayé vers la cage. Mais voilà, là, c'est une recharge. Oh, qui se fait. Avec de la vitesse, qui va pouvoir remettre sur Maxence Ovitou. On cherchait Dordé devant la. Dans le slot. Oh, le shoot. Ah non, manqué un petit peu là. Et heureusement. Oh, l'énorme charge de. Pour aller chercher des buts. Allez, un gafouillage là-bas derrière. C'est l'Arnaud toujours en position de base. C'est l'Arnaud qui cherchait le deuxième poteau. Oh, c'est Thomas Giorgi là qui va récupérer. Oh, et Baptiste Rebuche. Attention, Baptiste Rebuche en entrée de zone. Oh, Baptiste Rebuche. Oh, bien joué ça. Bien stoppé. Ouais, bien stoppé par à la Cholet. Bleue. Cholet qui démarre bien là sur son infériorité numérique. Allez, c'est bien. Ah, Ryan Tate qui se rebelle un petit peu là. Ouais, mais ouais, c'est difficile de trouver des situations favorables de shoot. Et Jared Cup là en position du palais. Avec Dana. Alan Dana, on essaie. Alain Dana qui s'en va tout seul, tout simplement. Alain Dana qui va chercher devant la cage. Oh, Maxence Ovitou, non, il a directement pris son shoot. Derrière. Avec Jared Cup. Alain Dana. Oh, Dana qui conserve le palais, qui va mettre pour le one-timer. Oh, attention. Mais attends. Oh là 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 là. Prends des risques. Allez, 5 contre 5. Bon, on n'a pas réussi à marquer. Décidément, ce soir, le power play, nous sourit pas. C'est dur d'installer. Super. On met derrière la cage. Allez, Cholet qui récupère un palais. Allez, Mathieu Frécon, le capitaine. Et il faut remettre de l'ordre dans ton équipe, Mathieu Frécon. Allez, Ludo Karch qui s'avance. Ludo Karch avec Jérémy Alouette-Que directement sur Jérémy Côté. Aïe, 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 on y arrive pas pour l'instant. Bon pressing, Ludo Karch. Oh, directement sur son. Ah oui, directeur Martin Borowski, l'expérimenté Martin Borowski à la manœuvre. Allez, 1 minute à 54. Et Mathieu Frécon en entrée de zone avec Baptiste Coudry, ça c'est bien fait en tout cas. On relaie bien avec Mathieu Frécon, le capitaine. Ouais, c'est une belle passe pour Gauthier Gibert. Oh, la transversale. Le rebond pour Mathieu. Oh, Geoffrey Kouba, le rebond. Oh, quel beau shoot de Gauthier Gibert qui. Magnifique. Ah, oh, magnifique. Boum. Avec Gauthier Gibert, ok, cherche. Oh, attention. Allez, Mathieu Ayotte avec bonne mise en échec avec Baptiste Bruch, là en l'occurrence. La bataille dans le coin. Oh, 2 minutes évolué à 5 contre 4 ouais. Des Dogs. Allez. Là, si on revient à 6-5 pour Neuilly, mentalement, ça va être difficile. Hein. Allez, Ludo Karch. Ludo Karch, il met la cache.
Un engagement encore gagné important. Bien. Important du côté des Dogs. Ludo Karch pour Ryan Tate. Oh, le shoot dévié. Allez, Martin Borowski à la relance. Ah, on patiente. Ah, c'est bien fait. L'expérience, toute l'expérience de Martin Borowski. Mathieu Frécon, ouais, c'est bien coupé la passe. C'est une technique. Attention. Oh, le shoot. Oh là 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 là. Ryan Tate, Ryan Tate. Dommage, Ryan Tate. Ryan Tate, toujours en possession du palais. Ryan Tate. Ryan Tate. Oh, c'est la vitesse. Oh, la vivacité. Oh, il y avait un petit quelque chose, mais l'arbitre ne dit rien. Oh, le shoot de Louis Seignier. Bon shoot, ça. Allez, on avec Ryan Tate. Ryan Tate, toujours en possession du palais. Ryan Tate qui va chercher. Au deuxième poteau, il va chercher. J'aime bien le queue. Allez, bon momentum, là, du côté des Dogs. Avec Jérémy Côté, Jérémy Côté. Attention, cette passe-là, par contre, complètement loupée. Oh, là, là, attention. Là, 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 là. Hugo Damy, Hugo Damy! Oh, le petit palais sur le côté! 40. On était sur un gros moment. Une grosse série offensive, là, de la part de Cholet. Il faut continuer à mettre la pression. On est sur un bon moment, oui. Ça leur a fait du bien, ces power plays, Jérémy Aletke. Ah, c'est bien fait, ça. Ouais, bien. Ça, c'est très, très bien fait. Geoffrey Couvard, entrée de zone, Geoffrey Couvard avec, Pierre Petro. Oh, dommage! Oh, attention! Attention! Félix Chamberlain! Chamberlain, directement, qui cherchait les deux petits côtés! Sur Jonathan Janet. Oh, bonne mise en échec là. Chamberlain, Baptiste Bruch. Oh, ben quel arrêt de match. Oh, c'était dangereux ça. Oh, loin, une énorme charge de Dana sur Louis Seignier qui répond au combat. Allez, Louis Seignier qui va prendre un bon shoot. Oh, encore. Très solide, 2-40. Allez, Louis Seignier, voilà, on attend. On prépare. Ah, c'est compliqué cette passe avec Mathieu Ayotte. Attention, Baptiste Bruch avec Chamberlain. Baptiste Bruch, Chamberlain, toujours en possession du palais. Oh, allongé. Allez, on est à 2 minutes du terme. Ah, ça, c'est bien fait, ça. Allez, Brandon Salerno, l'entrée de zone. Brandon Salerno, on est à 3 contre 2. Brandon Salerno. Wow, allez, on continue. Il faut travailler du côté des Dogs avec Brandon Salerno toujours. Allez, Jérémy Aletke. Il reste 1 minute 40 avant la fin de cette troisième période. Toujours 2 buts de retard du côté des Dogs. Salerno! Oui. Allez! Bien du côté des Dogs de Cholet. Mathieu Depagnon qui est rentré au banc. Et on assiste à un 6. Allez, 6 contre 5. Ouais, 6-5, allez. Ludo Karch, on a sorti, allez, Ryan Tate, Karch en entrée de zone. Dernière minute. Oh, ça s'est bien fait avec, il faut prendre des chutes, Baptiste Couturier. Aïe. Attention. Parce que Maxence Ovitu, ah, ben, voilà. Il va directement le mettre dans la cage. Ouais, et voilà. Terminé. Et but de Maxence. Terminé. Ils ont été solides dans beaucoup de domaines. Ils ont fait beaucoup moins d'erreurs. Ils ont été plus présents dans les duels. Et puis voilà.